ye oka me kuyo oka me kuyo ena la kota pe la go oka me kuyo oka me kuyo ena ena 1 Jean chapitre 3 le verset 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Je veux parler à ton peuple ce matin, Éternel des armées. Bénis ce message. Ouvre le cœur de quelqu'un ce matin. Transforme l'être intérieur d'une personne ce matin. Ramène le cœur de quelqu'un à toi ce matin. Afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Je veux prêcher ce message pour éclaircir un peu les choses. Parce que voyez-vous, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, il y a un message qui est sorti. Et il faut qu'on recadre un peu les choses. Bien-aimé, c'est vrai que Dieu est amour. Le Dieu de la Bible, il est amour. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui fait grâce. Peu importe. Peu importe les péchés dans lesquels tu te trouves. Peu importe les faiblesses dans lesquelles tu te trouves. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de compassion. Mais je veux que tu comprennes une chose aussi. C'est qu'autant il est un Dieu de miséricorde, autant il est un Dieu de jugement. Il s'appelle le juste juge. Il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Dieu, il fait vivre, mais il tue. J'ai vu des gens, dans ma marche avec Dieu, frappés par le jugement de Dieu, qui dépérissaient sur eux-mêmes. Dieu tue. Il est amour, mais il tue. Il donne la vie. Mais il ôte la vie. Et c'est pourquoi cette parole a dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Ça veut dire que personne ne te trompe. Que personne ne te plaque. Pour te dire, Dieu est amour. Quel que soit ce que je fais, Dieu comprendra. Parce que Dieu est tellement serré de moi, quelles que soient mes fautes, quelles que soient mes façons de marcher, il va me pardonner. Il dit que personne ne te trompe, que personne ne te séduise. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Il y a commettre le péché et il y a pratiquer le péché.
En tant qu'un homme, dans ta marche avec Dieu, il peut arriver, mais de façon exceptionnelle, de façon rare, que tu poses des actions qui sont contraires à la parole de Dieu. Un petit mensonge peut sortir. Ça peut arriver. Tu peux tomber dans l'impudicité. Ça peut arriver. La chair a été plus forte que toi. Ça peut arriver. Tant que tu es dans cette chair-là, il va arriver que, quel que soit ton amour pour Dieu, tu auras des moments de faiblesse. Ça, c'est commettre le péché. Ça, c'est tomber dans le péché. Et lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu fais ce que Dieu n'aime pas, au plus profond de toi, il y a une tristesse qui rentre en toi. Il y a quelque chose qui se passe immédiatement. Tu sens en toi une tristesse. Tu sens que tu as fait une chose qui déplaît à ton Dieu. Donc, cette tristesse qui t'anime, c'est la voix du Saint-Esprit qui est là pour te reprendre, pour te dire ce que tu as fait n'est pas bon. La chose que tu viens de faire est mauvaise. Elle est contraire à la loi de ton Dieu. Donc, c'est pourquoi tu sens cette gêne intérieure. Donc, quand tu tombes dans le péché, cette voix-là te parle afin que tu te ressaisisses. Ça, c'est commettre le péché. Quand tu tombes dans le péché, tu n'es pas du diable. C'est des choses qui arrivent. Dieu même te tend la main. C'est pourquoi il a tendu la main à cette femme qui a été prise en plein adultère, que tout le monde voulait lapider. Il lui a dit, moi non plus, je ne te lapide pas, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Parce que Dieu savait, Jésus savait, que dans notre corps de chair, on a des moments de faiblesse. Ça, c'est tomber dans le péché. Mais pratiquer le péché, c'est autre chose. Pratiquer le péché, c'est une autre dimension. Ça veut dire que tu sais que la chose est mauvaise, mais tu te maintiens dedans. Tu sais que la masturbation est mauvaise, mais tu la pratiques. Tu le fais en âme et conscience. Tu sais que cette voie dans laquelle tu es est une voie qui défie Dieu, mais tu te maintiens dans la voie. Tu pratiques le péché. Ça s'appelle pratiquer le péché. Et la version parole vivante dit s'adonner au péché. Ça veut dire que tu t'es abonné maintenant dedans. C'est plus une erreur, ce n'est plus une faute, mais tu t'es abonné maintenant dedans. Tu t'es habitué à ça. Et tu as fini par te convaincre toi-même que ça, ça ne fait rien. Au point où maintenant, lorsque tu le fais, tu ne sens plus la tristesse qui t'habitait avant. La voix du Saint-Esprit a été étouffée. La voix de Dieu s'est tue. Parce que pour Dieu, tu t'es installé dans la bêtise. Et ça s'appelle pratiquer le péché. Et la Bible dit que quand tu pratiques le péché, tu n'es plus de Dieu, mais tu es du diable. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Celui qui s'assoit dans le péché, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Si tu commets le péché, en sachant que c'est le péché, mais tu dis, je m'en fous, je fais. Tu dis, je m'en fous, je fais. Tu dis, tout le monde fait, je fais. Tu le fais en âme et conscience. Dieu dit que tu es du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible que tu as en main le dit clairement. Celui qui pratique le péché, il est du diable, frère. Quand tu pratiques le péché, tu es du diable. Ne laisse pas Dieu te mettre dans la catégorie de ceux qui sont du diable et qui ne connaissent pas. Toutes ces histoires de
le péché est plus fort que moi. Ce sont des histoires. Toutes ces histoires de la cigarette me domine. Ce sont des histoires. La drogue me domine. C'est des histoires. C'est parce que ce sont des histoires que Dieu dit, celui qui pratique le péché, il est du diable, il n'est pas de moi. C'est-à-dire, Dieu même dans son amour, il te renie. C'est-à-dire que Dieu, malgré sa compassion, malgré le fait qu'il t'aime, mais il te renie. Parce que dans son entendement, tu fais exprès. Lorsqu'on n'est pas chrétien, il arrive que nous sommes dominés par des choses. Lorsqu'il arrive qu'on n'est pas encore converti, on est dominé par le péché et c'est ce qui est normal. La Bible dit la terre entière est sous la domination du diable. Donc tous ceux qui sont sur la terre et qui ne sont pas dans le camp de Jésus, ils sont dominés par le diable et par la puissance du diable qui est le péché. Donc si un homme qui n'a pas Jésus vous dit que lui, il arrive à vaincre le péché, c'est un menteur, il ment. Il ment. C'est pourquoi tous ceux qui sont loin de Dieu, peu importe les efforts qu'ils font pour vivre une vie de sanctification, ils n'arrivent jamais. Parce que c'est Jésus qui libère du péché. Donc quand les gens sont loin de Jésus, quand ils n'ont pas fait la paix avec Jésus, le péché les domine toujours. Peu importe le nombre de fois qu'il prie dans la journée, la prière de sa religion, lui-même, il sait que le péché est son maître. Il ne peut pas s'empêcher de mentir. Il ne peut pas s'empêcher de vivre dans la masturbation. Il ne peut pas s'empêcher de convoiter. Il ne peut pas s'empêcher de faire ce qui est mal. Il sait que c'est mal, mais il ne peut pas faire autrement parce qu'il n'a pas Jésus. Maintenant, lorsque tu connais le Seigneur, lorsque tu fais la paix avec Dieu, la vie de Dieu vient en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. La puissance de Dieu vient en toi. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les fois que tu commences à t'adonner au péché, Dieu dit que tu fais exprès. Un enfant de Dieu n'est pas dominé par le péché. Un enfant de Dieu n'est pas contrôlé par le péché. Citez tous les péchés que vous voulez. Que ce soit la colère, la rancune, la haine, le péché des femmes, le péché sexuel, l'immoralité, la boisson. Il n'y a aucun péché qui contrôle un enfant de Dieu. C'est simplement une volonté personnelle. Merci. C'est simplement parce que tu veux commettre ce péché que tu le commets. L'hôtel où tu t'en vas là, avec la fille où tu t'en vas là, tu sais qu'on n'est pas marié, mais tu t'en vas quand même. Tu connais, mais tu fais exprès. Il n'y a rien qui te domine. Je ne crois pas en cet évangile où des enfants dits de Dieu sont toujours esclaves du péché. Tu fais exprès. Tu fais exprès. C'est pourquoi Dieu dit que parce que tu pratiques le péché, tu es du diable et tu n'es pas de lui. C'est pourquoi il commence par dire que personne ne vous séduise. Faut pas quelqu'un va te blaguer. Pour dire que je viens à l'église chaque dimanche, oui, il est fini l'église et puis il fait ce qu'il veut, mais moi je connais le Seigneur. Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Celui qui pêche est du diable. Celui qui vit dans le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable, frère. Ne reste pas dans ce dans quoi tu es. Le but de l'église n'est pas de transformer les gens de l'extérieur. Ce n'est pas de transformer ta vie. Dieu ne nous a pas appelés pour transformer vos vies. Il nous a appelés d'abord pour vous transformer de l'intérieur. Alléluia. C'est la transformation intérieure qui est prioritaire. C'est pas la transformation extérieure. C'est pas les voitures qui sont extérieures. C'est ta transformation intérieure.
Là où tu étais colérique avant, mais parce que tu as connu le Seigneur, tu es devenu maintenant comme une brebis. Tu es devenu maintenant comme un agneau, tu es tout doux. On peut te gifler à gauche et tu peux tendre à droite. On ne peut pas être même chose dans le monde et puis même chose dans l'église, frère. Ressaisis-toi, que personne ne te séduise. Arrête aujourd'hui, 2021, là, signe la mort du péché dans ta vie. Parce que Dieu dit que tu fais exprès et tu es un enfant du diable. Il dit qu'il ne te connaît pas. Moi, il peut tout accepter, mais il ne peut pas accepter que Dieu me dise qu'il ne me connaît pas. Vraiment ça, c'est que Dieu m'a tué. Donc s'il dit que celui qui pêche, qui pratique le péché est du diable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te débattre toi-même pour que le péché là, ça reste dehors. C'est parce que tu veux fumer que tu fumes. C'est pas une affaire que c'est, la cigarette est plus dure que toi. La cigarette n'est pas plus dure que toi d'ailleurs, parce que d'ailleurs pour fumer, tu te caches. Si la cigarette te dominait, tu n'allais pas te cacher pour fumer. Tu allais venir mettre ta cigarette à l'église. Mais c'est vrai, tu sais que c'est une mauvaise chose que tu te caches pour fumer. Et quand même le pasteur ne te voit pas, mais la sentence de Dieu est déjà tombée. Il dit, tu es du diable. Il dit, il ne te connaît même pas. Il dit que personne ne te blague. Je ne te connais pas. Alléluia. Alléluia. Ressaisissez-vous, bien-aimés. C'est toi qui décides. C'est toi seul qui décides. De la même façon que nous, on s'est levé un matin. On dit cigarette, on dit boisson ne touche plus notre langue jusqu'à notre mort. Et puis on est là. Et puis on est là. Est-ce que le diable peut attraper la bouche de quelqu'un que forcer, il faut mettre bière dedans? C'est toi seul. C'est toi, tu vas à la boutique, tu payes grosse bière, Valpierre, tous les bières, tu payes. C'est toi seul, tu t'assois. C'est toi seul, tu te caches. C'est toi seul, tu soulèves le verre pour mettre dans ta bouche. Le diable ne t'oblige pas. Donc, tu fais exprès. Et si tu continues, la sentence de Dieu est déjà tombée. Il dit, tu es du diable. Si la mort te surprend dans ça, tu brûleras en enfer. Sans que ça n'émeuve Dieu. Il y a des milliards de personnes qui sont en train de brûler en enfer pendant que je parle. Quand on vous parle de l'évangile, vous, votre préoccupation, c'est comment avoir du travail, comment avoir une voiture. Regarde, laissez-moi vous dire une chose. Je mets parenthèse. Le problème que tu as aujourd'hui, où tu penses que le jour que tu auras une voiture, tu seras l'homme le plus heureux, et que tu penses que tu es malheureux parce que tu n'as pas de voiture, laisse-moi te dire que tu fais une mauvaise analyse. Tu es en train de te séduire toi-même. La voiture n'est pas ton problème. Tu penses que le jour que tu te marieras, tu seras l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. Tu es en train de te séduire. Tu penses que le jour où tu auras un bon travail et qu'on va bien te payer, tu seras un homme le plus heureux. Donc pour l'instant, Dieu peut attendre. Tu es en train de te séduire toi-même. Parce que ces choses vont venir et tu ne seras pas heureux. Tu n'auras pas le bonheur que tu cherches tant qu'il n'y a pas un attachement véritable à Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité. Si tu veux, ne m'écoute pas. Écris quelque part que le pasteur a dit, tant que moi, il n'est pas encore Jésus, je ne serai jamais heureux. Il a lui montré que sans Jésus et dans le péché, moi, je serai heureux. Et puis, tu veux me montrer. Je suis pressé de voir ça. Parce que quoi? Ce à quoi tu aspires là, on est passé par là. La première voiture que Dieu m'a donnée, c'était une Fiat. Une vieille Fiat. Donne-moi. Excusez-moi. Hein. Est-ce qu'on peut se parler ce matin? Parce que 2021 commence, il faut qu'on soit plus la même personne. Alléluia. Voilà.
La première voiture que Dieu m'a donnée dans ma vie, c'était une Fiat. Sans climatiseur, une vieille Fiat. Quand je roulais la voiture, il y avait chaud. Quand il pleut, là c'est l'enfer sur terre. Parce que quand il pleut là, tu es obligé de monter toutes les vitres pour ne pas que la pluie te mouille. Or, il n'y a pas de climatiseur dedans. Or, lorsqu'il pleut aussi, il y a des nuits, c'est ça la nuit, une nuée non bien. Les jets d'eau, tout ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, la vitre là devient floue. Ça devient flou. Donc, pour ne pas que la vitre là devienne floue, il faut ouvrir les portes pour que l'air rentre, comme il n'y a pas de climatiseur. Bon, on ne peut pas ouvrir les portes aussi, pareil, il y a la pluie. Donc, tu es dans la chaleur, et puis tu ne vois pas bien. Et puis, c'était une souffrance. En ce moment-là, on partait à l'église. On faisait comme vous faites là. On disait non, c'est pas, il y a une Fiat que je ne suis pas heureux. Oh Dieu, lui que tu me donnes une voiture climatisée. Oh, ribro sakara, papa. Commencez à parler en langue en même temps. Et tellement il serait l'homme le plus heureux. Ça n'a pas duré, mes patrons m'ont donné une Peugeot 406. La voiture était climatisée. Tellement que la voiture était climatisée, dans mon ingratitude, là, je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle fait de la Fiat. Il ne voulait même plus voir ça devant moi. J'ai une voiture climatisée. Alléluia. J'ai roulé ça 2 mois. Et puis un jour, je roulais. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Vous. Et puis il regarde. C'est une 4x4. Lui, sa voiture en haut comme ça. La Peugeot 406 climatisée ne peut plus me rassasier. Alléluia. Mais quand on parle là, vous pensez que nous on parle dans le vide. Moi je ne prêche pas dans le vide. Je prêche la vérité de Jésus. Si je te dis que Jésus bénit et que je t'explique mon témoignage, tu as dit amen, Jésus bénit vraiment. Parce que c'est de la boue que nous il nous a pris. Quand la 4x4 m'a dépassé, je suis devenu triste en même temps. Il dit que hein? Il y a une voiture qui est soulevée comme ça. Ribro sakara, baba. Seigneur, il me faut une 4x4. Quelques temps après, miracle du Seigneur. J'ai eu la 4x4. Alléluia. Ah. J'ai poussé des cris de joie le jour-là. Alléluia. Des cris de joie. Il faut me voir. Des cris de joie. Il y a eu 4x4. Il est l'homme le plus heureux de la Côte d'Ivoire. Alléluia. J'ai roulé la 4x4 jusqu'à... Un jour, j'ai un de mes promotionnaires qui est venu garer auprès de moi. Une Audi. J'ai dit que, oh, non, voiture, il y a petit comme ça, et puis c'est joli comme ça. Ribro sakara, papa. Ribro sakere, ribro sakara, rarara. Seigneur, au nom de Dieu, si c'est ça, là, il serait l'homme le plus heureux du monde. Alléluia. Dieu a fait miracle. J'ai eu une 407 dernier modèle automatique. Il n'y en a pas beaucoup à Bigenzi. Ribro sekere, Jésus est Seigneur. Il faut me voir louer le Seigneur. Alléluia. Ça n'a pas changé ma vie. Je suis resté l'homme le plus triste et le plus malheureux. Et j'étais malheureux, pourquoi? Parce que j'avais ces attraits matériels, mais sans Jésus véritablement dans ma vie. L'homme en lui est vide, en forme de Dieu. Si tu mets bateau, tu mets avion là-bas,
le vide va toujours être là. C'est Jésus qui doit être là. Pour que le vide là soit rempli. Si ce n'est pas rempli, tu seras l'homme le plus malheureux du monde. Et quand j'ai commencé ma vie, mes patrons m'ont donné d'abord environ 300, 400 000 francs chaque mois. J'étais l'homme le plus béni du quartier. 400 000. Wow. J'ai commencé à vivre. Après, j'ai commencé à avoir un problème de 450 000, de 500 000. 400 000 francs ne me suffisaient plus. En 2011, pendant que les gens se battaient, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ils ont multiplié mon salaire par deux. Je me retrouvais pratiquement à presque 1 million. Mais j'étais encore vide. J'étais encore malheureux. Parce que là où il y avait un salaire de pratiquement 1 million maintenant, j'avais des problèmes de 1 200 000. Si tu penses que le matériel va te rendre heureux, frère, écris aujourd'hui que moi je te dis, tu iras de tristesse en tristesse. J'ai commencé à connaître la paix du cœur, le bonheur véritable, quand je me suis attaché véritablement à Dieu. Aujourd'hui, tu peux me prendre tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Dieu m'a donné gloire à lui, mais mon attachement n'est pas si ça. Prends tout ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais prendre Jésus, qui est la source de mon bonheur. Alléluia. Et c'est à ça que je veux t'envoyer, frère. Prends un nouveau départ avec ton Dieu ce matin. Prends la décision que j'ai prise. Il y a de nombreuses années, j'ai dit c'est fini et c'est fini. Il n'y a aucune femme encore du voix ici, dans le monde ici, qui peut dire, le pasteur Bédi, il me drague. Mais il m'a envoyé un message même pour dire bisous. Il n'y a aucune femme sur la terre ici. En dehors de mon époux. C'est une décision, frère. C'est une décision. Le diable ne va pas attraper ma main pour faire SMS. C'est une femme qui n'est pas ma femme pour dire je t'aime. Il passe où même pour attraper ma main? Il passe où? Prends la décision. Il ne faut pas que Dieu te rejette au dernier jour. Abandonne la cigarette secrète que tu fumes là. Abandonne la boisson. Abandonne la drogue secrète. Car tu te fais du mal à toi seul. Parce que Dieu dit que tu es du diable, il ne te connaît pas. Regarde Hébreux chapitre 10. Prends ta Bible, on finit par là. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 26. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Écoute-moi, regarde ce qu'il dit. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire que tu connais la vérité, mais tu fais. Il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Quand tu connais et puis tu fais quand même là, Dieu dit voilà ce qui t'attend. Il dit les autres là, ils ne connaissent pas, ils font. Ils sont encore ignorants. Prions pour eux. Un jour, ils vont comprendre. Mais toi, tu connais, mais tu fais. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu
qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Ça veut dire que quand tu connais et puis tu fais là, c'est le jugement qui t'attend. Dieu n'est plus au stade de je l'aime. Il n'y a plus ça. Il dit tu connais et puis tu fais. C'est pourquoi il a déjà dit que tu es maintenant enfant du diable. Et il te dit voici le jugement qui t'attend. C'est plus une affaire de pardon, d'amour, mais c'est un jugement terrible qui t'attend. Alléluia. Ne te séduis pas toi-même. Écoute ce que je te dis aujourd'hui là. Et prends la résolution en 2021 que c'est terminé. Si des gens couraient après toi, te draguaient, envoie leur message pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir. Alléluia. Amen, amen. Dis-leur, je ne veux plus vous voir dans ma vie. Bloque-les sur WhatsApp. Bloque-les sur les Facebook. Bloque-les. Ton éternité est en jeu. Ne vous amusez pas avec votre éternité. Il n'y a rien qui soit au-delà de l'éternité. Frère, moi je veux être, si c'est possible, le plus pauvre de la terre, mais aller au ciel. Quand mon heure va arriver, je veux que les anges viennent me chercher. Je ne veux pas que les démons viennent me chercher. Alléluia. Donc pour moi, il n'y a rien qui soit trop petit pour préserver mon éternité. Quitte-les aujourd'hui. Le paquet de cigarettes qui est dans ta poche que tu as laissé derrière, va me brûler ça aujourd'hui. Maudit la cigarette, dis cigarette, toi et moi c'est fini. Dis masturbation, c'est fini. Sors de ça, alléluia. Dis ces choses-là. Ne sois pas un enfant du diable. Sois un enfant de Jésus jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Reste ferme jusqu'à la fin. Dieu peut compter sur toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Anato. Hey, yeah. O kame kuyo. O kame kuyo. Ene la kota pe. La go. O kame kuyo. Jésus, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot, oh, comme un couillé, oh, comme un couillot. Il t'a prégné, oh, prégné, dans toi ni caisson. Il t'a prégné, 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 dans toi ni caisson. Dans toi ni caisson. Na toi ni que son plaît, na toi ni que son haut, na toi ni que son haut. Il t'a plein plaît, oh, plein plaît que, na toi ni que son haut, na toi ni que son haut, na toi ni que son haut, na toi ni que son plaît, na toi ni que son haut. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh. Ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette